que cette double cérémonie sera consacrée à la coupure du ruban symbolique par Madame la DGA, qui sera donc entourée des sortes de militaires et bien entendu. Donc c'est la toute première pièce et vous voyez que c'est juste une récupération de l'espace d'étage. Ici nous avons des tiroirs pour placer les documents de travail et les jeux de travail. De l'autre côté aussi nous avons des armoires. Voilà, juste l'utilisation d'espace. Soit à la direction, mais maintenant ils
ils auront d'espace et ils ont aussi besoin de plus d'intimité. C'est pourquoi vous voyez que la salle est toute petite et ornée de façon que les enfants soient calmes. Le parc informatique n'est pas encore installé. Alors, si les collègues soignants peuvent recevoir des armoires et d'ici, ils peuvent voir tout ce qui se passe, ils peuvent voir ce qui circule. On va avancer. Nous sommes ici au secrétariat pour aller chez le directeur et de voir qu'est-ce que les parents qui participent. Parce que c'est la loi de vous dire qu'il y en a une partie qui ne participe pas, mais pour ceux qui participent, on a quand même un petit point. Distingués invités, en vos rangs et grades, au nom de l'Association des Petites Sœurs Dominicaines, nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux. Ces lieux, la Case Dominique. La Case Dominique qui a pour
pour vocation d'accompagner, de redonner confiance, de scolariser à travers une prise en compte des difficultés et des troubles d'apprentissage tous les enfants en situation d'inadaptation scolaire. Nous le faisons à travers trois unités. Unité de remise à niveau, unité d'alphabétisation, unité de prise en charge des élèves à besoins très spécifiques, donc des élèves vivant avec autisme et autres TND. Et nous avons une petite unité timide qui est dans l'initiation professionnelle. Nous analysons les plaintes des parents et identifions les attentes avant de répertorier les besoins des enfants pour servir et finalement élaborer le plan d'intervention personnalisé. La prise en charge multidisciplinaire et synergique est selon les besoins de l'enfant. Cette prise en charge est soit thérapeutique, éducative, pédagogique, andragogique, parce que nous avons aussi des grands, mais aussi parentale, car l'annonce de l'autisme ou d'un autre TND pour un parent ou pour des parents, ce n'est pas une petite affaire et ces parents ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus. Et c'est pour cela que nous avons aussi la prise en charge parentale. Tout cela se fait à travers des domaines. Pour accompagner des enfants, nous ciblons des domaines, notamment la communication, l'attention, la concentration, l'hygiène, les habiletés d'habillage, les habiletés alimentaires et la motricité fine ou globale. En dehors de quelques cas suivis à domicile, notre accompagnement se fait en institution. Et nous savons que c'est un grand défi, et pour nous et pour les parents. C'est pour cela que nous ne mettons aucune méthode en dehors de notre activité. Toutes les méthodes sont utilisées en fonction des besoins, partant de l'ABA, du PECS, de TED, tout selon les besoins de chaque enfant. Aujourd'hui, nous avons la joie d'inaugurer cette pièce, cette salle, qui sera pour nous le lieu de recherche, le lieu d'approfondissement de nos connaissances pour continuer la petite œuvre que nous avons commencée. Et pour cela, nous avons le besoin de votre soutien, besoin de votre aide. Et alors, je dis un grand merci à AAA, un grand merci aux collaborateurs, un grand merci aux associations qui œuvrent avec nous pour donner un bien-être aux enfants avec autisme et soutenir les parents et les familles. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler au nom de Afrique Autisme Alliance. Comme vous entendez, parfois on dit Afrique Alliance Autisme, parfois on dit Afrique Autisme Alliance. Bon, voilà. En tout cas, le terme autisme est au pluriel parce qu'il y a plusieurs sortes et plusieurs formes d'autisme. C'est important de prendre en compte toutes ces différences. Et je suis très très heureuse au nom de AAA, mais aussi de AAA, je dirai tout à l'heure comment est constituée l'Autisme Afrique Alliance, mais aussi d'une association qui est en France et qui s'appelle AND, Aide médicale et développement, qui nous a soutenus depuis le début de notre existence. Je vais juste vous faire une petite... raconter une petite histoire, comment on s'est rencontrés, là, tous. Nous avons commencé nos rencontres en Côte d'Ivoire avec le docteur Anabi Souma et ce titre deviendra l'hôpital de jour de Côte d'Ivoire. Et puis, en 2017, nous nous sommes retrouvés, tous ceux qui font partie maintenant de l'Afrique Alliance,
pour une formation de 2 semaines. Et c'est l'hôpital, le centre Alpizère de Grenoble qui a accueilli toutes les personnes que nous avions invitées. Et tous ces gens venaient de chez vous, de Brazzaville, mais aussi d'Abidjan, de Kinshasa, de Kigali, de Cotonou, et nous avions aussi une jeune fille infirmière de Madagascar. Voilà. Et nous avons travaillé ensemble, et ce qui s'est passé là en 2017 nous porte encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu une rencontre très chaleureuse de travail, mais aussi de fêtes, de réflexions, de promenades. Tous les Français qui étaient partis de l'hôpital, de ceux qui ont organisé, ont hébergé nos amis. Et à la fin de ces 2 semaines de travail, Rosine Duquesne Kamagajou, qui est la présidente de Autisme Rwanda, a proposé que nous formions un groupe qui s'appelle Autisme Afrique Alliance. Voilà, et c'est comme ça que ce groupe est né. Petit à petit, il y a eu des créations d'associations, Autisme Congo, 2ACI, c'est-à-dire Association Autisme Côte d'Ivoire, ensuite le Bénin, Autisme Bénin, Autisme Rwanda, Autisme Action RDC, et la dernière année, c'était l'Autisme Alliance France. Et ces 5 associations se sont réunies en avril 2022 pour créer l'association Autisme Afrique Alliance. Donc nous sommes maintenant une association internationale. Voilà. Et ce que je peux mesurer là en faisant aujourd'hui, puisque nous étions venus en 2019, c'est l'énorme travail qui a été réalisé à la Case Dominique par la Solida, par M. De Merci, et là tout de suite, nous venons d'arriver, nous avons rencontré des jeunes qu'on avait vus en 2019, et on peut vraiment voir le travail thérapeutique et clinique qui a été fait. Vraiment, on peut mesurer ce travail et c'est formidable. Et je pense que ce que je peux nous souhaiter de mieux à tous, c'est qu'on puisse continuer ces rencontres. Hein, ces rencontres qui s'enrichissent des particularités de chaque pays, aussi bien en termes de prise en charge qu'en termes de type d'association. Et qu'on puisse. Je nous souhaite aussi une bonne semaine de travail. Voilà. Je prends la parole au nom du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Vautou. Puisque vous le savez, la prise en charge dans notre pays des apprenants présentant des handicaps et des apprenants en difficulté d'adaptation scolaire se fait donc dans le cadre du système éducatif non formel. Et c'est dans ce cadre aussi que se développent donc des approches éducatives au sein de l'école Case Dominique, y compris donc la problématique qui fait donc l'objet de notre rencontre ce matin. Je disais donc que c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour d'abord saluer avec déférence toutes les délégations venues des différents pays, mais aussi surtout saluer les efforts consentis et déployés par les membres de l'association Autisme Alliance Afrique dans la formation des différents acteurs impliqués dans la prise en charge de ce syndrome. Comme vous le savez, mesdames et messieurs,
L'autisme et les autres troubles du neurodéveloppement sont à l'origine des perturbations du développement cognitif et de nombreux apprenants qui sont admis dans nos écoles spéciales. Il n'y a pas que Casse Dominique, nous avons l'école 10 maisons et nous avons plusieurs écoles qui prennent donc en charge les situations des enfants présentant ce syndrome. Ces syndromes, donc, je le disais, se caractérisent par un ralentissement des capacités d'adaptation scolaire, mais aussi un ralentissement des capacités d'adaptation sociale et familiale. L'ouverture ce matin de la Semaine internationale sur l'autisme, placée sous le thème « Les particularités sensorielles dans le diagnostic et les différents domaines de prise en charge », couplée à l'inauguration du premier centre de ressources autisme et autres troubles de neurodéveloppement, est donc perçue pour le gouvernement comme une contribution de taille, non seulement dans l'amélioration des pratiques professionnelles dans ce domaine, mais également dans le renforcement de ce que nous appelons la résilience de notre système éducatif et particulièrement le système éducatif non formel. Mesdames et messieurs, que vive donc le système éducatif non formel dans notre pays? Que vive le slogan « Il n'est jamais trop tard pour apprendre même si nous présentons des handicaps » Je déclare donc ouverte au nom du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, la Semaine internationale sur l'autisme. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je remercie l'Alliance Autisme Afrique. Je remercie également l'Association des Petites Sœurs Dominicaines au Congo. Je vous remercie tous, distingués invités, chacun en vos rangs, grades et qualités, de me donner la possibilité de vous faire une présentation sur l'autisme, que j'ai intitulé « Autisme et cerveau ». Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y a 22 ans, lorsque je rentre dans mon pays natal, je suis psychiatre d'adulte. Je ne suis pas psychiatre d'enfant. Et je suis l'unique psychiatre. Et je dois prendre en charge tout le monde. Je dois prendre en charge adultes et enfants. Je suis confronté à la détresse et au désespoir des parents. C'est ce que je trouve. Je suis médecin, je suis soignant. Les personnes en souffrance viennent me voir pour trouver une solution. Je décide, étant enseignant, de visiter l'ensemble des structures qui prennent en charge les enfants et les adolescents dans la ville de Brazzaville. Je commence donc une pérégrination qui me conduit à l'école spéciale, qui me conduit également au centre implanté à l'intérieur de l'école des sourds qui s'occupe de la réhabilitation. Je vais un peu partout et je me rends compte qu'il n'y a pas véritablement de système de prise en charge. Je me rends compte que les enfants sont mélangés. Quel que soit leur handicap, quelles que soient leurs compétences,
quelle que soit leur capacité, ils sont handicapés. Je me rends compte qu'il n'y a pas de diagnostic médical qui est effectué à l'entrée pour au moins les catégoriser. Et je suis moi-même effondré. Je dois faire face à la demande des familles qui demandent à ce qu'un enfant soit évacué. Comment peut-on évacuer un enfant sans sa mère? Et comment peut-on priver une mère de l'éducation de ses autres enfants? C'est la quadrature du cercle, c'est pratiquement chose impossible, étant entendu que ce trouble doit être pris en charge sur la durée, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Voilà la situation à l'origine. Et ce que je vois aujourd'hui me remplit de joie et d'allégresse. Parce que là où il n'y avait rien, il y a maintenant beaucoup de choses. Et après avoir introduit de cette manière mon sujet, je vais vous faire rapidement un rappel sur l'autisme en suivant ce plan. Alors, l'autisme est plus précisément les troubles du spectre autistique. Il ne s'agit pas d'une seule entité, mais il s'agit de plusieurs entités qui appartiennent elles-mêmes aux troubles du neurodéveloppement. En résumé, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une maladie du système nerveux central. Donc, ce sont des personnes qui ne doivent pas être considérées comme étant des malades mentaux. Étant entendu que dans notre pays, la cause que les populations imputent, c'est essentiellement une cause surnaturelle. La cause des maladies mentales dans notre pays est d'origine surnaturelle, en rapport avec les esprits, sans rapport avec la sorcellerie. Dans l'autisme, rien de tout cela. Il s'agit d'une mauvaise définition. Donc, lorsqu'on va dire que l'enfant est un enfant sorcier, on se trompe. On se trompe. Mais vraiment, on se trompe dans les grandes largeurs. Alors, que pouvons-nous dire actuellement concernant la définition de l'autisme? Il s'agit d'une personne dont le comportement est perturbé dans trois ordres de symptômes ou dans trois groupes. Il s'agit d'anomalies de la communication orale et au non verbal. Donc, ce sont des enfants qui vont avoir des difficultés à parler, qui vont avoir des difficultés à apprendre. Mais il s'agit également d'anomalies des interactions sociales. Vous savez bien entendu que l'homme est un animal social. L'homme se définit par sa capacité à rentrer en lien avec autrui. Et effectivement, cela commence dans les premières années de la vie. Donc cet enfant va avoir des problèmes à interagir avec les autres. Et ça va apparaître bizarre et il va être identifié pour cela. Et enfin, c'est un enfant qui a des centres d'intérêt restreints. Il ne s'intéresse pas à tout. Il peut s'intéresser à une seule chose. Par exemple, son doudou, son ours, auquel il va s'attacher d'une manière excessive. Et si vous essayez de le détacher de son objet, il va rentrer dans une colère et une agressivité extraordinaire. Tout cela, ça s'installe à peu près 3 ans. Les premiers auteurs qui ont décrit ces maladies ont dit que le trouble s'installe à 3 ans. Non.
un enfant qui commence bien et qui, à partir de 3 ans, on se rend compte que ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Dans un pays où la médicalisation est importante, dans un pays où les familles et les parents sont au courant, ça va induire une consultation dans un service spécialisé. Dans notre pays, hélas, par défaut d'information, par défaut de formation, ça va être la grande errance. Errance diagnostique, mais également errance thérapeutique. Drame familial. Les familles vont se séparer. Vous savez que chez nous, lorsqu'un enfant est malade, c'est prioritairement le problème de la femme. C'est prioritairement la femme. S'il est malade, c'est que très certainement, hein, la femme a un problème. Nous avons dit que c'est une affection du cerveau. Répétons-le. Le cerveau des autistes est malade. Donc, il ne s'agit pas de schizophrénie. On est d'accord. Il ne s'agit pas de bouffées délirantes aiguës. Il ne s'agit pas de troubles obsessionnels. Il s'agit d'une affection particulière qui porte le nom d'autisme et de troubles du spectre autistique. Alors, pourquoi on dit spectre? C'est parce que ce n'est pas une seule entité. C'est un ensemble d'entités disparates qui occupent une large panoplie et qui répondent à ces trois regroupements syndromiques dont je vous ai parlé. On peut retrouver des stigmates, des anomalies cérébrales, dont je vous ai donné quelques exemples. Le cerveau ne se porte pas bien. Je marque une pause pour vous dire que la différence principale entre la neurologie et la psychiatrie, c'est que classiquement, dans les affections psychiatriques, on ne trouvait pas de lésion, c'est-à-dire que le cerveau était sain. Alors que dans les anomalies neurologiques, le cerveau était malade. C'est pour vous dire qu'il s'agit d'une affection du système nerveux. C'est complètement différent. Mais on verra que dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire et interdisciplinaire, un certain nombre d'intervenants vont avoir à s'associer pour prendre en charge un enfant malade. L'épidémiologie de cette maladie, elle touche globalement, suivant les différentes études qui ont été faites, 1% de la population, c'est-à-dire une personne sur 150, avec une nette prédominance masculine. 4 garçons pour une fille. Dans notre pays, si on projette, la population qui serait concernée correspondrait à 5000 personnes. Mais vous voyez bien que dans les écoles spéciales, vous voyez bien que dans le système éducatif, il n'y a pas 5000 enfants en panne. Ils sont où? Il va falloir les chercher. Et il va falloir faire de telle sorte à faire un dépistage le plus précoce possible. Parce que une fois que le handicap s'installe, le handicap s'entretient lui-même et devient de plus en plus grave et conduit, bien entendu, à la marginalisation de l'individu. 5000 personnes. Les causes, dans 2/3 des cas, si on fait un bilan complet, on ne trouve rien. C'est-à-dire qu'on fait un scanner, on fait l'IRM, on fait des électroencéphalogrammes, on fait tout, on fait la biochimie, on fait tout, on ne trouve rien.
nos parents, nos familles sont, comment pourrait-on dire, elles aiment les examens complémentaires. Elles demandent les examens complémentaires. Même si vous leur dites qu'il n'y a aucun examen à faire, il faut faire les examens complémentaires. Elles auront tendance à croire plutôt un médecin qui demande beaucoup d'examens complémentaires qu'un médecin qui ne demande pas d'examens complémentaires, au risque même de disqualifier le spécialiste. Parce que le spécialiste, dès lors qu'il sait qu'il s'agit d'un trouble du spectre autistique, il s'arrête. De telle sorte que les moyens de la famille se concentrent sur la prise en charge. Et nous allons voir, la prise en charge, elle est difficile. Le scanner ne soigne pas. Ça ne soigne pas. Donc il ne faut pas multiplier des examens inutiles. Une fois, il peut arriver. Il peut arriver, je ne sais pas quoi faire. Le monsieur qui a dit ça, là, enlevez, c'est ça. Non, ça. Enlevez ça. L'interférence vient. C'est pas grave. C'est les difficultés de la technique. Alors, au cas où des causes pourraient être trouvées, on peut retrouver des altérations chromosomiques au niveau génétique. On peut trouver dans le passé de cet enfant éventuellement des infections virales. On peut retrouver une association avec l'épilepsie. On peut également retrouver une association avec les déficiences mentales. Donc un enfant qui peut être et à la fois porteur d'un trouble du spectre autistique, porteur d'un retard mental et porteur d'une épilepsie. L'un de nos métiers à l'hôpital, c'est de faire des classifications. Classification entre personnes normales et puis personnes anormales. J'ai vu une affiche en bas, hein, où il est dit que l'autiste, c'est pas anormal. Et c'est pas non plus normal. On ne peut pas dire tout à fait que c'est quelque chose de normal. Mais c'est un trouble qui survient, qui atteint quelqu'un, et cette personne-là, pour mieux la prendre en charge, il faut la mettre dans une catégorie particulière. Et le fait de la mettre dans cette catégorie-là va nous permettre de développer un certain nombre de ressources. Donc, dans les troubles du spectre autistique, il y a, bon, c'est pas très important, vous prenez ce mot-là, vous mettez ça sur Internet, hein, trouble désintégratif, vous aurez les informations. Ou vous pouvez, s'il vous plaît, ne me perturbez pas. Hein. Ou alors, on a le syndrome d'Asperger. Alors, le syndrome d'Asperger, c'est une variété particulière d'autisme. Ce sont des enfants, on va dire, qui sont dotés d'une intelligence exceptionnelle. C'est pour vous dire que là, il y a un problème. Ils sont gênés dans les interactions sociales. Ils sont gênés dans la communication. Ils sont gênés dans leur place dans la vie. Mais ce sont des calculateurs exceptionnels. C'est des génies de l'informatique. C'est des génies des mathématiques. C'est des autistes. N'est-ce pas? Alors, je donne souvent...
que vous pouvez trouver dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est l'endroit des États-Unis où sont concentrés les cracks en informatique. Et vous allez voir quelqu'un qui vient à vélo, il est multimillionnaire, milliardaire, il vient à vélo. Avec, je ne discrimine personne, hein. Vous avez le droit d'avoir une queue de cheval. Je ne sais pas, mais il est multimillionnaire, il a sa queue de cheval, il rentre, il ne veut pas se mettre dans un bureau, parce que pour lui, bureau, ça ne veut rien dire, il se met dans un petit bout, et il rentre dans sa machine. Pas de femme, pas d'enfant, pas de relation. Il est milliardaire. C'est un autiste. Et c'est un génie de l'informatique. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'est pas prêt dans notre pays à accepter des gens différents. Mais oui, il faut être en mesure d'accepter la différence. Parce que ces enfants-là, ils ont un handicap, oui, mais ils ont un potentiel aussi. Au niveau du même cerveau. Une porte se ferme, une porte s'ouvre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est la différence d'un cerveau différent, avec des capacités différentes, avec des potentialités différentes. Alors, l'école n'est pas formatée pour recevoir des enfants qui sont à la marge. L'école, hein, d'une manière générale. L'école est formatée pour recevoir des gens normaux. Donc, quand vous avez des difficultés, vous êtes déficient. Quand vous êtes extrêmement intelligent, vous ne pouvez pas rester là. C'est clair, hein? Les hauts potentiels ne peuvent pas rester dans une école normale. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils s'ennuient. Comme ils s'ennuient, ils deviennent perturbateurs. Ils deviennent agressifs. Ils insultent l'enseignant. Ils ne peuvent pas rester là. Ils sont renvoyés. Et c'est le chemin de croix qui commence. Un enfant trop intelligent peut être exclu du système scolaire dans notre pays. C'est dommage, hein? Il est tellement intelligent qu'il est expulsé du système scolaire. Donc, le sujet est vaste, hein? Le résumer en quelques minutes, c'est difficile. La symptomatologie, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que toute la semaine, vous allez parler de cela. Vous allez parler de cela, vous allez revenir là-dessus. Mais véritablement, il s'agit de signes qui attirent l'attention. Il y a des enfants qui arrivent en consultation après 5 ans. Mon Dieu, je dois dire que les parents ont pris le temps. 5 ans ? 5 ans d'errance diagnostique, 5 ans d'errance thérapeutique. 5 ans de souffrance pour l'enfant, 5 ans de souffrance pour la famille, 5 ans de gaspillage. Je dois ajouter autre chose. Dans notre pays, les parents n'aiment pas que les enfants redoublent. Les parents n'aiment pas. Hein? Quand les enseignants disent cet enfant doit reprendre la classe, le sport familial, c'est l'enfant doit passer en classe supérieure. Donc, au besoin, il le change d'école. Mais il reste dans le système normal. Mais il change. Et il peut changer d'école comme ça pendant 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Tant que les familles ont les moyens de payer, ils achètent le passage en classe supérieure. Ce qui fait que l'enfant peut même être en troisième. Enfin, pour les parents, l'enfant est en troisième. Mais dans la réalité, l'enfant a décroché depuis longtemps. Et récupérer un enfant comme ça, ça va être très difficile. Donc, la responsabilité est partagée. Responsabilité des familles, responsabilité des écoles,
responsabilité du système de soins d'une manière générale et responsabilité également de l'État. La responsabilité, elle est partagée. On ne fuit pas. Alors, disons un mot sur la prise en charge. Première chose, cette prise en charge, elle est multidisciplinaire. Elle est interdisciplinaire. Elle est holistique et elle est intégrative. Ça, c'est les principes. C'est ce que l'on veut. Cela veut dire que le médecin doit s'associer au psychologue, doit s'associer au spécialiste du handicap. Doit s'associer, on l'a dit, je n'ai pas mis ça, je vais le mettre, à l'orthophoniste, à l'ergothérapeute. On va psychiatre. Madame, je suis un psychiatre d'adulte. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Alors, nous faisons le plaidoyer devant vous, madame. Vous le direz au ministre. Dans notre pays, il n'y a pas de pédopsychiatre. Il y a des amis béninois, ils ont dit, ils sont que deux. Mais deux, c'est le pluriel. C'est deux fois plus que nous. Nous, on n'a pas de pédopsychiatre. J'ajouterai, on n'a pas de pédopsychologue. J'ajouterai que tous les personnels là doivent être formés. Alors, en France, pour ce qui m'a été donné de savoir, la prise en charge est intégrative. Cela veut dire quoi? Dans un premier temps, on a séparé. Séparé, c'est école spéciale. Chez nous, c'est pas intégratif, c'est séparé. Bon, ailleurs, c'est maintenant intégratif. Ça veut dire quoi? On prend l'enfant qui a des difficultés, on ne l'écarte pas du système, on le laisse dans le système pour qu'il puisse essayer de rattraper le wagon. Le deal, le challenge, c'est qu'il monte, pas qu'il descende. Dans certaines de nos écoles, qui sont des fourre-tout, on met des enfants avec de grandes difficultés associés à des enfants qui ont de moins grandes difficultés. Que voulez-vous qu'il advienne? Que voulez-vous si on associe un infirme moteur d'origine cérébrale, qui a un cerveau vraiment lésé, à un autiste? Que voulez-vous qu'il se passe? Non. C'est pour ça que je vous dis que la prise en charge dépend du bilan des compétences et du bilan du handicap. Nécessairement. Et à partir du bilan des compétences et à partir du bilan du handicap, on peut mettre en place un programme personnalisé de soins et adapté à la situation de chaque enfant. Chaque enfant a une situation différente. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. L'intervention, bien entendu, médicale, le pédiatre, il dépiste, il se rend compte. Très tôt, il peut aiguiller. Mais si le pédiatre en question a une hostilité, on va dire, ou des insuffisances en matière de santé mentale, il ne va pas faire le diagnostic. Le diagnostic, c'est le pédopsychiatre. On vous l'a dit, il n'y en a pas. Donc je fais tout pour que les médecins généralistes aient un minimum de compétences en pédopsychiatrie. Moi-même, je suis le résultat de cet enseignement fait par les pédopsychiatres. Ok? Évidemment, prise en charge psychosociale. Mais les psychologues doivent être fourrés au moule. On est d'accord? Les psychologies déclinées dans tous ces aspects. Dans tous les aspects.
et la prise en charge du handicap, déclinée dans tous les aspects. Équipe multidisciplinaire. Je sais qu'à la case Dominique, la tendance, c'est, je crois, la multidisciplinaire. On est d'accord? Mais on reste encore et toujours dans le système marginal. Bon, Rome ne s'est pas faite en un jour, Madame la Directrice Générale, et je suis persuadé que le plaidoyer constant que nous faisons auprès des autorités pourra déboucher sur une prise en charge de la souffrance. Les interventions éducatives, elles sont centrales. Effectivement, elles sont centrales. Ma sœur, vous avez décliné, je suppose, un certain nombre d'acronymes qui sont en rapport avec les mesures éducatives. Voilà. J'ai beaucoup aimé également ce que vous avez dit, c'est-à-dire, on ne peut pas être dogmatique, on ne peut pas s'accrocher à une méthode. Nous, on n'en est pas là. Toutes les méthodes sont valables. Y compris aller chez nos amis tradithérapeutes qui font de ces enfants des enfants sorciers pour leur expliquer que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Je voudrais, moi, personnellement, que les gens soient sanctionnés. Si vous donnez un mauvais conseil à quelqu'un et que ce conseil-là est responsable d'un retard diagnostique de 1 an, 2 ans, 3 ans, je fais le plaidoyer auprès de l'État pour que les magistrats sanctionnent avec la plus grande sévérité ceux qui disent que les autistes sont des enfants sorciers. Eh oui, c'est à l'État d'organiser d'une manière générale la prise en charge. C'est à l'État cesser de laisser qu'un trouble ou qu'une maladie soit interprétée de différentes manières. Ce n'est pas acceptable. La guidance parentale est, je pense également, au centre, parce que finalement, ces enfants mineurs, c'est les parents qui les conduisent dans cet itinéraire, que ce soit un itinéraire traditionnel. Ou que ce soit un itinéraire religieux. Je suis chrétien moi-même. Mais mon Dieu, ce qu'on fait dire à Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là également, il faut que les autorités se déterminent. J'ai vu une place là-bas, il y a le représentant de l'archevêque. Dites à l'archevêque que les prêtres, les pasteurs, les imams, doivent recevoir une formation adaptée à leur ministère. Et qu'ils ne doivent pas être là en train de détourner les gens. Si un prêtre voit un malade, que le prêtre dise « Allez faire un tour à l'hôpital, je vais prier pour vous. » Je vais me limiter à la prière. Allez faire un tour à l'hôpital. Et ensemble, nous allons prendre en charge la personne. Je terminerai en parlant de l'intégration. Mais l'intégration, c'est le contraire de l'exclusion. C'est le contraire. La prise en charge doit être intégrée. C'est cela que les parents demandent. De ne pas être abandonnés sur le bord du chemin. On n'a pas le droit de choisir entre ses enfants. Un enfant qui a un problème et les autres enfants qui n'ont pas de problème. Merci, merci beaucoup. Les parents sont accompagnés dans leur souffrance. Mais moi, quand j'ai été confrontée à ça, je me suis rendu compte au Congo, on était perdus. Je voyais mon neveu. L'année passée, je suis venue en vacances et je me suis rendu compte qu'il y a un problème assez difficile. Je savais que c'était de l'autiste et tout, mais où sont les structures? Qui va nous aider dans tout ça?
Et donc, j'ai commencé à questionner mes collègues, voilà. J'ai mon neveu en Afrique, qui a ça. Est-ce que vous ne pouvez pas le prendre, tout ça. Et donc, finalement, il y avait déjà la structure ici, parce que l'enfant était déjà dans cette école. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Mais il y avait aussi le côté thérapeutique qu'il fallait faire, qu'on n'avait pas ici. Parce que quand moi j'ai fait les prescriptions, il n'y avait pas de médicaments ici. Alors, mes collègues à l'hôpital au Luxembourg m'ont fait l'ordonnance des neuroleptiques et la ritaline qu'on a commencé à... On dit, bon, on va tenter. Puisqu'il y a déjà une prise en charge psychologique, bon, c'est déjà un bon début. Mais on va aussi essayer de le calmer, on va dire, entre guillemets, avec des médicaments. Comme ça, les deux, la famille, l'école, un peu de traitement, peut-être que ça va aboutir. Donc, je voulais en fait vous faire partager qu'on a vu le changement. On a vu l'enfant qui commençait à s'asseoir, il commençait à nous demander, au lieu d'avoir des automutilations, des cris, des troubles, mais ahurissants. Toute la journée, l'enfant était toujours en train de courir et il fallait être à côté de lui. Parce que sinon, on avait peur qu'il fasse quelque chose demain. Mais, donc, petit à petit, on a commencé. Donc, moi, je prends les médicaments là-bas et j'envoie ici, on lui donne, j'écoute, j'appelle, ça va, non. On modifie le traitement, on fait ceci. Et j'étais surprise que j'y arrivais hier, on m'a appris qu'il y avait une inauguration. Je me suis invitée à cette inauguration. Et je suis contente qu'il y ait cet accompagnement parce que votre présence montre que vous vous intéressez à ces enfants. Ce ne sont pas des sorciers comme l'a dit le professeur. Donc on a besoin de faire comprendre aux populations que ce sont des enfants. Ils ont peut-être des atouts que nous ne soupçonnons pas et ils ont besoin que l'on les accompagne dans cette démarche thérapeutique, d'aide psychologique. Avec des structures comme ça, on a aussi une stimulation de l'éveil. Il y a plein de choses à faire. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que si nous combinons nos efforts avec des associations qui ont fait leur preuve dans le sérieux, on pense que si on multiplie des actions comme ça dans notre pays, on ne va pas se laisser, on va pas laisser ces enfants à la traîne. Ils sont nos enfants, nous devons les aimer. On doit apprendre à les aimer avec leurs handicaps parce qu'ils ont besoin d'amour surtout et les accompagner petit à petit pour qu'on trouve aussi avec l'aide de l'État des accompagnements, des médicaments comme, moi je ne sais pas, la Ritaline, j'ai cherché partout ici, il n'y en avait pas. C'est vrai que c'est, là-bas c'est déjà protocolé, mais voilà, en ajoutant Ritaline neuroleptique Risperdal, on a réussi à un tout petit peu à le faire calmer. On espère que progressivement, l'enfant va avoir ne fût-ce qu'un minimum d'activité, qu'un jour il puisse être autonome, qu'il puisse travailler, avoir son argent, payer sa maison et tout. Voilà, toujours jusqu'à 50 ans que c'est le papa qui doit payer la maison. Donc, je voudrais en fait vous partager ça et vraiment vous remercier encore de tous vos efforts. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais si chacun de nous fait un peu, on pourra arriver à sauver ces enfants-là, les mettre dans le circuit, surtout pas les considérer comme des gens à part. C'est ça, nos enfants. On doit les aider. Donc les structures qui, dans le pays où moi je viens, ça ne pose pas de problème. Mais ici, ça devient compliqué. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est une maladie. C'est ça, on les qualifie de choses un peu mauvaises. Et du coup, l'éducation, comme il a dit, le professeur, il faut qu'on éduque tout le monde. Donc comprendre que dès qu'il y a des symptômes comme ça, il faut aller à l'hôpital. Et là-bas, et l'État va aider donc les hôpitaux pour avoir une filière autiste où on a une association de beaucoup de choses à faire. Voilà, c'était juste quelques mots pour vous remercier de tout ce que vous faites. Merci. J'ai fait une recherche sur la TSA, sur l'ordinateur. C'était depuis samedi. Et j'avais pas tout fini parce que j'avais quelque chose à faire. Et j'avais perdu du temps à cause des pannes de courant. Voici ça. Le titre, l'autisme, c'est quoi? Votre enfant ou un de vos proches présente des troubles de comportement et de la communication. On parle d'autisme. Autant que parents, vous vous inquiétez de voir votre enfant est différent.
Et en attendant le diagnostic, vous vous posez 1000 questions, essayant de répondre à la première. Autisme, c'est quoi? L'autisme, définition. L'autisme est un handicap dont les manifestations sont décrites sous l'activité du trouble du spectre de l'autisme, TSA. C'est un trouble neurodéveloppemental. Les premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. Ce qu'on a déjà vu, ces symptômes sont dus à un dysfonctionnement cérébral. Moi, je m'appelle Kefan. Moi, je suis autiste HPI, haut potentiel. Les autistes HPI peuvent avoir une compétence super. Ils peuvent avoir plus de 130 QI ou 150. C'est comme les Asperger en fait, mais juste un peu. Moi quand j'étais petit, les parents disaient que je suis bizarre, alors que non. Et puis, on m'a emmené dans une école normale, alors c'était pas adapté pour moi. Heureusement, il y avait une maîtresse qui connaît bien l'autisme. Parce qu'il y a une maîtresse qui me comportait mal avec moi. Quand maman a entendu l'école calcinique, il a maintenant su que c'est important pour moi. Malgré quelques difficultés, nous sommes plutôt bien. Malgré le manque d'amitié. Manque d'amitié. Voilà, donc Kefan est arrivé, il avait 3 ans quand je l'ai vu pour la première fois. Et on a commencé la prise en charge à 4 ans. Et aujourd'hui, il est au collège. Bonjour, je m'appelle Steven Bakadi Victoire Raquel. Je suis venue à la case Dominique, j'étais encore enfant et mon père ne croyait pas à son autiste. Il disait que ça va servir à rien. Faut pas la gérer. Elle est autiste, faut la laisser. J'ai travaillé dur. Et grâce à la sœur Ida et à Monsieur Dieu merci, et à tous les professeurs de la case, et surtout à mes amis, je remercie beaucoup mes amis, parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue. Parce que quand j'avais 10 ans, j'ai perdu ma mère très jeune. Donc grâce à mes amis, j'ai pu surmonter ça. Et à la sœur aussi, à Monsieur Dieu merci. Et aujourd'hui, je travaille dur pour être auxiliaire de crèche. Et j'ai travaillé dur et cette année-là, j'ai eu mon CEP et moi aussi je suis au collège. Et je remercie la case de vie.